fidèles et très chers téléspectateurs de Frim, bonjour. Pour vous aujourd'hui, nous avons choisi une destination située à quelques kilomètres de la mégalopole abidjanaise. Sangon, cité lagunaire, fera l'objet de notre évasion à couper le souffle. Top, c'est parti! Avec Frim, voyager au cœur du tourisme en Côte d'Ivoire. Ici, c'est un espace de détente, de gastronomie et de repos. La qualité d'un voyage est tributaire de l'hébergement. Cité lagunaire, Sangon l'a bien compris et offre à ses visiteurs une hospitalité légendaire et des logis de qualité. N'est-ce pas, mes pupus? Oui! Frim, au cœur du tourisme ivoirien. Envie de voyager, suivez l'émission Frim. Je vous présente l'association AIFIN. AIFIN a été créée par des femmes, une association composée de 26 personnes, 2 garçons et 24 femmes. AIFIN veut dire celui qui cherche ou celle qui cherche. Le matériel a été offert par le district d'Abidjan. Aujourd'hui, nous exploitons ces matériels. Nous avons 4 matériels. La broyeuse, la presseuse et le sémouleur, et le séchoir. L'usine essuie un hectare. Quand les femmes finissent de découper le manioc, nous venons à la broyeuse. La broyeuse nous permet de faire la pâte de manioc. Après la pâte, nous partons à la conservation et la fermentation du manioc. Nous venons à la presseuse, la machine qui nous sert enlever de l'eau dans le manioc. La prochaine étape, je vous présente le sémouleur qui nous fait sortir les graines d'attiquer. Après les graines d'attiquer, nous partons au séchoir. Après le séchoir, nous venons au tamis. Le tamis nous permet de trier encore des grains et faire sortir de bons graines d'attiquer. La première dame qui est assise là, elle fait sortir les gros grains.
et les autres trient plus de grains. Nous trions les différents grains d'Atiké, de gros grains et de petits grains. Après le tamis, nous passons au vent. Après avoir donné ça au vent, nous passons à la cuisson. C'est de l'Atiké pré-cuit. C'est pour voir bien conservé. Maintenant, nous repartons encore à la deuxième cuisson pour faire bien cuit. Même pas que des boules restent dedans. Il faut bien tourner, écraser bien les boules. L'Atiké est cuit en 10 minutes et c'est du bon Atiké. L'Atiké est prêt. Nous allons l'enlever pour attacher dans des sachets pour le commerce. C'est du bon Atiké et Atiké émergent. Venez visiter Sangon. Alors, après la présentation de l'usine d'Atiké, nous sommes avec Chef Maxime qui va nous présenter un mets exquis, n'est-ce pas, oui. Chef Maxime? Oui. Alors, quelle est la spécialité que vous nous présentez aujourd'hui? Je vous présente la spécialité maison. Et quels sont les ingrédients de ce mets? Effectivement, les ingrédients sont composés de gambas, d'écrevisses, oui. De blanc sèche, du mérou et puis du langouste. De langouste. Compris de la tomate, du poivron et puis de l'oignon. Et de l'oignon, d'accord. Oui. Alors, Chef Maxime, oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous préparez ce plat? Oui, effectivement, ce plat, il est fait avec un peu de l'huile d'olive. Oui. Faire revenir un peu les oignons, oui. Un peu de l'ail. De l'ail. Ajouter de la tomate et la puis tomate. Du persil. D'accord. Pour la rougaille qui accompagne. La spécialité sur mon pack. D'accord. Et en fonction de ça, oui. Après l'assaisonnement, oui. On essaie de faire les brochettes. Oui. Avec les ingrédients que vous voyez là. Oui. Y compris de la tomate, de l'oignon et puis du poivron. Bon, je veux bien comprendre. Oui. Hein, c'est-à-dire oui. Que vous avez l'huile d'olive. D'olive, oui. Vous ajoutez l'oignon, la tomate, l'ail. Le poivron, les oui, persils oui. Et tout le reste, oui. Vous faites mijoter oui. Et juste à côté, vous faites la brochette. Quels sont les composants? C'est composé de langoustes, de crevettes, de gambas oui, et puis oui. De mérou. Ce plat-là, il peut être consommé avec quoi comme accompagnement? Oui, à la fin de ce plat, il peut être consommé avec de l'Atiké. De l'Atiké, comme spécialement, on le comme vous le voyez, d'accord. De l'Atiké de Sangon, oui. Comme l'usine est avec nous. Hormis l'Atiké, il peut se manger avec quoi? Il peut se manger avec du riz. Avec du riz? Oui, même avec des frites. Des frites, oui, de la loco. D'accord. Et donc, c'est la spécialité de la maison. De la maison, c'est ça? Oui. D'accord, il y a beaucoup de clients qui le demandent. Oui, à bien ce que sûr, je vois. Beaucoup. Ah, d'accord. Et à la fin, je pourrais le manger donc? Bien sûr. Je sens que je vais me régaler. On invite toute la population ivoirienne à ça. Consommer le produit de Sangon. Exactement. Y compris... Mais produit maison, mais. C'est ça, exactement. Fait, surtout que vous avez la lagune bien juste sûr, à côté. Bien sûr. Vous avez la possibilité donc, de pouvoir avoir tous ces produits-là. Bien sûr, à tout moment. D'accord, c'est bien ouais. Noté. Alors, très chers téléspectateurs, nous avons découvert la spécialité de Chef Maxime. J'espère que vous avez bien noté tous les ingrédients. Et éventuellement, si vous avez besoin de nos contacts, suivez toujours Frime et restez branchés pour la suite. Je dis bloquer là-bas. Ça continue là. Je ne suis pas dedans. Lassez-vous maintenant. On y va que y'a mon côté. Je t'ai bloqué là.
De sites touristiques, Sangon vous attend pour des vacances et un repos de rêve. Suivez Frame et découvrez le monde à travers nous. Your boyfriend don't like me. I can't blame him, but why you trying to be just like me? It's kind of lame, huh? Je trouve le cadre somptueux, reposant. Et surtout, il est convivial pour les enfants qui trouvent de l'espace de jeu. Donc, c'est un espace familial. Et j'ai vraiment adoré, c'est très beau. Vous avez aimé cette émission? Rendez-vous dans 2 semaines pour d'autres aventures. Restez frimes!